Chez Hachem, il n'y a pas de colère. Chez Hachem, il n'y a pas de colère. Hachem, il n'est jamais en colère. Hachem, il te montre un visage de colère. Et un vrai père, c'est un père qui ne se met jamais en colère dans son cœur. C'est un père qui s'est montré à son fils, des fois, un visage sérieux, un visage coléreux, mais qui, au fond de son cœur, il dit, mon fils, je t'en prie, comprends mon visage, que ça s'arrête là, et que vite, tu comprennes que c'est pour ton bien que je suis en train de faire ça. Rentre dans le bon chemin. Je fais ça, t'as pas encore l'intellect pour comprendre que c'est pour ton bien. Mais moi, je le fais pour ton bien. Hachem, c'est ça. Ce qu'on appelle la colère d'Hachem, c'est ça. Ce qu'on appelle la colère d'Hachem, faut arrêter de croire, de se persécuter. Ouais, Hachem, il va mettre un coup de bâton, il va me fracasser. Mais vous savez quoi? On doit faire tchouva sur quoi, messieurs? Au lieu de faire tchouva sur vos avérot, et moi le premier, je me parlais, et c'est ce que j'ai fait juste avant de venir ici. Au lieu de faire tchouva sur vos avérot en disant oh, attention, je vais me faire brûler là-haut, je vais me faire retirer là-haut, faut que je fasse tes tchouva. Non, mais faites tes tchouva sur quelque chose de beaucoup plus profond. Dites à Hachem, toute l'amertume que je suis en train de sentir, toute la tristesse et qui est en réalité une rébellion contre toi, que j'accepte pas ce que je vis du tout, que ça vient de toi, j'accepte pas ça. Je te regrette, Hachem, toute la chanara que j'ai fait sur toi. Toute la chanara que j'ai fait sur toi, Hachem, toute la médisance que j'ai fait sur toi, tout ce que j'ai mal parlé, tout ce que j'ai mal pensé sur toi inconsciemment, en étant triste, en m'étant rebellé contre toi, de croire que tout ce que tu m'as fait, c'était injuste et que t'étais en gros un bourreau et un satyre et un sadique qu'on dirait que t'as tout organisé dans ce monde-là pour que je souffre. Et ça, messieurs, c'est une choua très profonde qu'on n'arrive pas tout de suite. Attention, hein, vous n'allez pas réussir à faire ça du jour au lendemain. Ce soir, celui qui va essayer de faire ça dans une bouteille de douce ce soir, amen. Il va avoir un peu, peut-être qu'il va avoir du mal. Mais je vous ai dit encore une fois, dans ce chiour qu'on est en train de faire, chacun il va se retrouver à un passage de sa vie et c'est des choses qu'il va peut-être rencontrer plus tard. Ou tout de suite. Ou tout de suite, chacun en fonction de là où il est. Et, écoutez bien, d'un coup, le fils du roi, le vrai fils du roi, donc qui est Netneshama, il commence à faire des rêves. À partir du moment où il a arrêté d'en vouloir à Hachem, il commence à faire des rêves. Et dans son rêve, on lui dit, voilà, le premier métier que tu vas trouver, il faut que tu le prennes. Le premier métier que tu trouves, il faut que tu le prennes et que tu le fasses. Et au début, il prête pas attention à son rêve. Il prête pas attention à son rêve, une fois, deux fois, trois fois. Le rêve, il persécute. Le rêve, il ne lâche pas. Il dit, j'ai pas le choix. Et d'un coup, on lui propose un métier d'être berger. D'être berger d'animaux. Et il accepte, il dit c'est bon, le rêve m'a tellement fracassé avec ce rêve là, ok, je vais être un berger d'animaux, même si ça me paraît pas un métier que j'aime, bon ok, je le fais ce métier là. Et il commence à faire paître des animaux dans la forêt. Et d'un coup, il y a deux bêtes, elles s'enfuient. Et lui, il se met à courir derrière les animaux. Et plus il veut les rattraper, plus les bêtes elles s'enfoncent dans la forêt. Et lui, il court derrière elles et il passe son temps à faire quoi? À courir derrière les animaux, courir derrière les bêtes. Jusqu'à ce qu'un jour, il rencontre l'homme de la forêt, qu'on a dit, on l'a expliqué la semaine dernière, on l'expliquera la semaine prochaine, que c'est le tzaddik. Et en fait, c'est les pensées de Teshuvah qui viennent dans notre esprit, et les cours de Torah qu'on peut entendre, etc. Qui lui dit, hé, sache que t'es pas obligé de courir derrière les animaux. Tu crois que t'es en train de courir derrière les animaux, que c'est... T'es obligé de courir derrière les animaux, qu'il ouvre ton métier, tu dois courir derrière, t'as pas le choix, c'est la nature qui t'oblige à courir derrière ces animaux. Mais sache, le tzaddik, l'homme de la forêt lui dit, sache que t'es pas obligé de courir derrière ces animaux. C'est tes avérotes, tes fautes qui font que tu es en train de courir, qui te font que tu es en train de courir derrière ces animaux comme si c'est une réalité. Messieurs, il y a ici là, et c'est la dernière Nekuda qu'on va développer ce soir, on continuera la semaine prochaine, il se cache un secret à dessous. Dès que vous voyez que le fils du roi, il commence à faire une vraie teshuva, et à plus en vouloir à Hachem, et à commencer à vouloir Béhémet faire une teshuva profonde, il commence à faire quoi? À courir derrière les animaux. Jusqu'à ce qu'il rencontre le tzaddik. Et le tzaddik, qu'est-ce qu'il va lui dire? Il va lui dire, sache que ce que tu cours derrière les animaux, c'est pas obligatoire. C'est juste tes avérotes qui te poussent à ça. Écoutez bien, c'est quoi les animaux? Les animaux, c'est que même une fois que tu as fait tes chouva, il se peut que tu vas te retrouver dans une réalité qui va pas te laisser tranquille, que tu vas être tout le temps en train de poursuivre encore tes instincts animaux, tes instincts bas, tes instincts animaux. Que ce soit dans la parnassa, chas v'shalom, c'est la réalité, c'est pas, encore une fois, c'est pas quelque chose qu'on veut ou qu'on veut pas, c'est quelque chose qu'on traverse. Si on peut l'éviter, c'est quelque chose qu'on traverse. Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? À ce moment-là, chacun, il va dans une réalité qui est particulière, qui est de courir derrière encore les animaux, même quand tu fais tes chouva. Même quand tu fais tes chouva, tu peux être encore dans cette réalité. C'est quoi cette réalité? Toute la phase avant la tchouva où la personne elle a connu les mauvais désirs, les mauvaises tentations, toutes ces choses de ce monde-là, qu'est-ce qui s'est passé? Inconsciemment, on s'est attaché à ça et on a fait de ça une réalité et on a donné ma mâche comme si c'était un but dans notre vie. Ça veut dire quoi? On a fait une avodah zara de ça.
Comme si que le but pour lequel il a été créé le monde, c'est ces plaisirs-là. Et on a donné une vérité mensongère à ces plaisirs-là, à nos instincts animaux. On a donné une réalité mensongère comme si, bamache, c'est quoi ma vitalité, c'est quoi qui, rend qui donne la vie au monde, qui donne la vie à mon être, c'est ces plaisirs-là. Et ça, c'est un mensonge. Ça, c'est un mensonge. C'est un mensonge. La seule chose qui donne de la vitalité et qui remplit Béhémet un homme, un juif, c'est d'être proche d'Akadosh Baruch Hu dans la Torah et des mitzvot. Et quand tu as commencé à réveiller cette volonté-là, de découvrir ça, de sentir ça, maintenant, qu'est-ce qu'il fait Hachem ? Il te renvoie dans les mêmes problèmes qu'avant. Il te renvoie dans les mêmes problèmes qu'avant, dans les mêmes tentations qu'avant, dans les mêmes difficultés qu'avant. Mais sauf que maintenant, tu es en train de sentir quoi ? Ben, mais c'est vrai que je fais les mêmes bêtises qu'avant. Mais je sens que c'est du mensonge. Je sens que Béhémet, c'est pas ça qui donne le plaisir. C'est pas ça qui donne la vitalité. C'est pas ça qui rend épanoui. C'est pas ça qui épanouit un homme. C'est pas ça qui me rend heureux. Et qu'en réalité, et qu'est-ce que je suis en train de faire à ce moment-là ? Quand je dis Béhémet, Hachem, c'est du mensonge. Ok, je retraverse ça. Je traverse ces mauvaises pensées, ces mauvaises tentations, que ce soit dans l'argent, que ce soit dans la nourriture, que ce soit dans les femmes, dans la recherche des honneurs. Ça me retraverse encore. Je ressens que c'est encore en moi. Et je retombe là-dedans. Et que je veux pas ça. Mais ça, c'est plus fort que moi, ça retombe encore là-dedans. Attention, ici, il y a un chemin de réparation. Nous, on croit qu'on est encore en train de dégringoler. Il dit, purée, la chouva, ça marche pas, je dégringole. Le tzaddik qui nous dévoile, il lui dit, sache que t'es pas obligé de courir derrière les animaux. Tu crois que t'es obligé de courir derrière ton instinct animal, que c'est plus fort que toi, tu peux rien faire. Sache que c'était Averot qui font que tu es obligé de courir derrière ça. Et le tzaddik, l'homme de la forêt, lui dit à un moment donné, il dit, c'est bon, t'as assez couru derrière ces animaux-là, viens avec moi, cette histoire, c'est fini. Sous-entendu, t'es plus meurtri par tes mauvaises pensées, tes mauvais désirs, etc., tes mauvaises tentations. Ça y est, on va passer à une autre phase de la réparation. Mais qu'est-ce qu'il nous dévoile ici ? Il nous dévoile que toute cette phase-là, en réalité, c'est une réparation. Une fois que t'as fait tes chouvas et que tu continues encore à avoir des yéridos, des chutes, c'est pas une dégradation, c'est une réparation. Qu'est-ce que tu répares ? Tu répares en profondeur toute la force du Yetzirah. Mais si on est à l'apogée de la Géoula, on est à l'apogée de du dévoilement du Mashiach, tout le monde le dit, pourtant tu dis, mais il n'y a pas pire dévoilement du mal dans le monde qu'aujourd'hui. Et on dit que quand le Mashiach...